rigole, non. Bref. Salut. On va mettre un chrono. Tape des barres. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Coralie à nouveau. Donc, on va vous faire aujourd'hui un tuto coiffure, de 4 coiffures. Donc si vous voulez voir le tuto de ce maquillage, je vous laisserai le lien sur l'écran et en barre d'infos pour tous ceux qui sont sur mobile. Et donc on a voulu faire des coiffures plutôt dans le style romantique, assez facile à reproduire. Et donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc là je vais les séparer en deux, avec mes doigts, hein, rien de précis. Je vais venir entortiller vers l'intérieur chaque côté. Je vais venir les rejoindre au milieu, ici. Je vais prendre un élastique. Et je vais venir attacher ça ici. Alors ici, je vais venir serrer un petit peu en remontant. Voilà. Je regarde que ça tienne bien. Je vais séparer en deux. Et je vais venir caler les mèches à l'intérieur. Je vais cacher les pointes. Là, je peux faire ça, ressortir un petit peu des petites mèches, hein, si jamais c'est trop plat. Alors, de ce côté, on va venir faire une tresse en épi, et ensuite, on va venir tout rassembler et venir faire... une tresse en épi avec tout le reste. Alors pour faire une tresse en épi, si jamais vous ne savez pas comment on fait, on prend deux séparations. On va venir prendre une petite mèche de l'extérieur, on va venir la mettre à l'intérieur de l'autre. Et on fait ça tout le long. On prend l'extérieur et on va venir dans l'autre. Alors là, je vais venir desserrer un petit peu ici les brins de la tresse. Donc j'ai toujours pas mis d'élastique, hein, je le garde juste dans mes mains. Juste, je vais descendre un tout petit peu pour laisser un peu de mou. Je vais à l'intérieur et je ressors un petit peu les mèches. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre un petit élastique transparent. Donc là, j'ai mes deux séparations. J'ai placé la tresse dans cette séparation-ci. J'ai regardé que ce soit bien tendu au niveau de la tête. Et donc là, je vais venir faire la même chose. Je commence de ce côté. Je prends une petite mèche de l'extérieur. Je vais venir la mettre à l'intérieur. Voilà, quand je suis arrivée ici, je vais venir prendre un petit élastique transparent. Ici, je ne vais pas trop en faire ressortir puisque Coralie a un dégradé, donc sinon je vais avoir des grosses mèches qui vont ressortir. On va faire deux tresses à l'envers, donc vers le bas, et il y en aura une qui va faire tout ce côté-là et l'autre qui va faire tout ce côté-là. Elles vont venir se rejoindre ici, on va venir les attacher ensemble. Donc c'est parti. Je les tresse par le dessous. Je fais un tour. Voilà. Et donc là, je vais venir rajouter à chaque fois une petite mèche de cheveux. Et ici,
je vais en prendre en même temps en descendant. J'en prends en descendant et en remontant. Maintenant que j'ai fait la moitié de la tête, je vais venir tresser normalement, sans prendre de mèche en plus. Je continue à les passer par en dessous. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les rassembler. Celle-ci va passer en dessous. Si je crée un petit trou avec mes doigts. Et là, je vais venir faire passer la tresse par en dessous, comme pour faire un nœud. Là, on va venir serrer. Et cette fois-ci, on va venir faire comme ceci. On serre bien. Et on va venir attacher ceci au crâne. On va venir cacher le reste des petites tresses. On va venir les enrouler à l'intérieur pour les cacher. Et on va venir faire ressortir les petites mèches des tresses. Crêper cette partie-ci pour donner du volume. Alors là, je reprends la partie que j'ai crêpée. Je vais prendre un petit élastique. Je vais venir l'attacher un peu plus bas. Voilà, je vais juste faire deux tours. Donc là, je vais venir faire un petit trou et je vais venir rentrer la couette dedans. Voilà, une fois que j'ai fait un tour, je remonte l'élastique, je le serre. Là, je vais prendre les mèches de devant, de chaque côté, et je vais venir les entortiller. Et là, je vais venir faire le tour ici de l'élastique pour le cacher. Je vais prendre une petite pince. Là, je prends l'autre côté, je l'entortille aussi. Je prends une petite pince, je fais la même chose. Je reprends un petit élastique transparent, je vais venir attacher le tout. Ça va pas bouger. Je vais venir serrer. Je vais faire ressortir des petites mèches ici, juste au-dessus de l'élastique. Là, je vais venir faire ressortir des petites mèches d'ici. Electric eyes, no matter how hard I try, I can't escape that gaze tonight. That girl's up in the atmosphere. That girl's up in the atmosphere.